invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venet est avec nous, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Hervé goulet nous accompagne également, senior economic advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Benoît Vesco est également avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de l'UBAC Asset Management une semaine après les résultats de l'élection américaine. Regardons un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés. Le premier constat un peu grossier Benoît, c'est de se dire qu'il y a effectivement les actifs américains d'un côté, le dollar, les actions, les small cap américaines qui ont largement profité du résultat de l'élection américaine, et le reste du monde qui non seulement n'en a pas profité, mais en a même peut-être souffert. Je repense à la séance d'hier qu'on a eue sur les actions européennes notamment, avec une punition de l'ordre de 2% pour les grands indices actions en Europe. Oui, effectivement, la, la victoire de Trump est sans appel au niveau politique mais les marchés US euh, ont eux aussi euh, engrangé une victoire sans appel face aux autres marchés, ça c'est clair. Euh, alors ce, ce qu'on voit là, hein, c'est qu'on se raconte peut-être une trop belle histoire, mais on verra dans les, les mois et trimestres prochains, hein, si je résume, hein, c'est un peu simpliste, mais c'est un peu l'idée générale, euh, plus de protectionnisme pour les entreprises américaines, donc moins de concurrence euh, étrangère, euh, des baisses d'impôts, une fiscalité plus légère aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Euh, c'est un tableau euh, un peu trop euh, idyllique probablement, mais, mais dont les marchés profitent à court terme, parce que clairement, à court terme, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour ces marchés américains. Euh, la suite est probablement plus compliquée. Hein, quand on dit euh, euh, plus de protectionnisme, euh, des, du soutien fiscal, euh, ça aboutit quand même à un moment donné à des scénarios économiques plus inflationnistes, probablement un peu de pression sur la croissance. Donc le, le deuxième temps sera plus compliqué. Là pour le moment, le marché US a envie de profiter de ce moment-là. Et puis la fin de l'année, il y est peut-être aussi pour quelque chose. Hein. C'est un bon timing pour finir au plus haut. Euh, et clairement, de l'autre côté, les marchés étrangers hors US sont un peu sonnés. Ouais. Euh, parce que vous avez en face de vous euh, un président qui, euh, qui a, on l'a appris, hein, est parfois imprévisible. Euh, et puis euh, n'hésite pas à mettre de la pression euh, très forte. Euh, sur l'ensemble des négociations commerciales qu'il aura, qui aura menées euh, donc voilà on est dans ce moment là mmh. qui va se prolonger encore hein, parce que euh, encore une fois il y a la fin de l'année oui. il y a des annonces, hein, il n'est pas encore euh, et non, en le système fait qu'il sera en poste à partir du 20 janvier prochain donc on va, on va rester, on va probablement surfer sur cette vague d'optimisme il euh, arriveront les premières annonces qui sont probablement très proches de ce qu'il qu dit et ce qu'il a envie d'annoncer puisqu'il est élu sur cette base là euh, et, et ensuite on verra cette, cette année et on ne sera pas probablement on sera pas à l'abri de quelques surprises hein, parce que pour le moment on raisonne très US et pro-US ce qui est très bien mais on peut imaginer plein d'autres effets de bord à un moment donné hein, je, regardez les, par exemple le secteur du luxe qui est très français euh, si je baisse les impôts des plus riches américains est-ce qu'à un moment donné ils ne vont pas utiliser cet argent là pour acheter quelques biens euh, de luxe, bien sûr. Voilà. Donc, Donc, tout le jeu de l'investisseur va être d'essayer de trouver les, les opportunités que Trump va pouvoir créer pour des secteurs chez nous, par exemple. Voilà. C'est ça. Euh, et et <laughs> c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut euh, il faut voir qu'est-ce qui est stable dans le temps, qu'est-ce qu ouais. qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut jouer à court terme pour capter cette tendance, hein, qui est très favorable. Et on ne peut pas rester à côté quand on est, euh, on doit générer de la performance. Euh, mais ce ce moment est très intéressant et, et il évoluera dans le temps. Ouais. Euh, et parfois avec euh, un président qui peut le faire évoluer de manière brutale. Ouais. Je, suis quand même, je reste frappé sur cette première semaine de marché, de la, de la décorrélation qui a pu se créer tout de suite entre les actifs américains et le reste, le reste du monde, américain. Oui, alors je crois qu'il y a aussi un décrochage macroéconomique. C'est-à-dire que l'idée de, de Trump, c'est la dérégulation. Donc, en fait, euh, on y va, on baisse les impôts, on dérégule. Peut-être une de euh, ses on, premières on... priorités, les nominations du voilà. jour avec Elon Musk, le bah, département oui, dédié à l'efficacité gouvernementale. Mais bien sûr que c'est énorme. Mais ça montre bien dans l'agenda, effectivement, que la partie dérégulation est quelque chose de structurel voilà, dans la politique euh, de en fait, Trump. L'idée, hein. c'est de créer un appel d'air pour le business et pour la croissance. On sait que c'est inflationniste. Donc pour moi, c'est une course de vitesse. En fait, si ça fonctionne, la mayonnaise prend parce qu'en fait, il y a un aspect psychologique qui est très important. Les, 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 les argents économiques, on n'arrive pas à le, à, à la, le capter en macroéconomie. Mais, mais pour moi, ça me paraît tellement fondamental. Donc si vous créez un appel d'air et euh, libérateur de croissance qui va plus vite que l'inflation, qui de toute façon va arriver, va revenir en fait, ouais. parce que le, ce même électeur américain qui a voté pour Trump, il, il a aussi voté parce qu'il y avait trop d'inflation. Ouais. Donc euh, il, il est prêt dans un premier temps à mettre un peu de côté l'inflation s'il voit des opportunités de croissance, de, de travail, ainsi de suite. Enfin, c'est ouais, 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 ouais. Donc c'est un changement par rapport à, à nous les économistes on, où on attendait simplement une baisse des taux courts, Ma mécanique, disait que bon, bah, baisse des taux courts, donc amélioration progressive euh, de l'environnement économique. Là, c'est fondamental, c'est un grand pari où ça fonctionne. Et, et bien, on aurait été sur le fil du rasoir ouais. avec ça, où ça fonctionne pas très très bien tout de suite. Et tout de suite, la facture va être, euh, va être très lourde. C'est pour ça qu'on arrive, et de toute façon, ça ne peut marcher qu'aux États-Unis. Et l'Europe, de toute façon, ne peut que perdre dans un premier temps. Sauf si elle dit bon, ben bah voilà, on va tellement perdre qu'il va falloir qu'on se bouge un peu. Donc, c'est pour ça que ça me paraît logique, parce que c'est un appel d'air, on y va. Et donc, si on y va, il faut acheter les marchés globalement. Et c'est important que le Russell monte, parce que c'est pas deux, trois valeurs, c'est bien visé. C'est-à-dire qu'en fait, allez, on lui donne un. Un a priori euh, qui, qui va ouais, fonctionner, ouais, enfin fait crédit. Si on peut, il enfin je veux dire, si ça se trouve il euh, y a aucune, euh, enfin mais euh, si on veut essayer de donner une explication, pour moi c'est celle-là. Ouais. Euh, et donc euh, ça va être très très vite. Soit dans les premiers, les prochaines statistiques on a un peu de croissance et l'inflation ça va se, se maintenir. soit on n'a pas de croissance. Comme on sait que l'inflation va arriver tout de suite, euh, ça, ça va peut-être arrêter, enfin ça va ralentir les, les, les les expectatives, enfin les espérances. Les attentes. C'est le côté un peu fast and furious de, ouais. de Trump. Ouais. Fast, il peut aller vite, ouais. il a les marges de manœuvre politique et, peut et le congrès pour aller vite. Ouais. Furious, il peut mettre la barre assez haut. Ouais. Et euh, on verra dans quelle mesure ça peut fonctionner. Oui. Ah ouais, <laughs> Mais alors, à, 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 pour servir, c'est que comme on, on dérégule et, et qu'on licencie pas mal dans les agences fédérales, vous, on va chuter en on demande publique. Donc en fait, le pari, il est double. C'est-à-dire qu'un, il faut que ça, la, la croissance privée ouais, euh, ouais. prenne le pas sur la croissance publique et soit plus rapide que l'inflation, puisque euh, ce qu'on a choisi avec les barrières tarifaires, enfin, l'immigration, est, est de toute façon euh, Bien inflationniste. Bien sûr. Bon, ça pose la question de savoir effectivement alors, quelles sont les marges de manœuvre de, de Trump et, et jusqu'où il aura intérêt à utiliser les marges de manœuvre politiques qu'il a pu se dégager avec euh, cette élection du, du, du 5 novembre dernier, euh, euh, Hervé la partie régulation, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait partie des annonces du moment là qui euh, éclaire le nouveau mandat de Donald Trump. Elon Musk sera en charge d'un département d'État, en tout cas sera leader au sein d'un département d'État dédié à l'efficacité euh, gouvernementale. Bon, je crois qu'il a, il a beaucoup, il en a beaucoup parlé avant Elon Musk, oui, oui. Et puis euh, bon. Euh il a quand même financé à hauteur de quoi oui. 130, 000. 150 millions de dollars la campagne de Trump. Il fallait bien qu'il y ait un truc qui lui revienne à, à un moment. Mais euh, est-ce est qu'effectivement est l'agenda que Trump que ça, et, et la, régular... la, la dérégulation, est-ce que c'est quelque chose qui peut aller très vite, très fort Quel type d'effet est-ce que ça peut produire sur l'économie américaine selon vous Hervé Alors première chose, les démocrates ont perdu à cause de l'économie. Et Trump a gagné à cause de la politique. Il a gagné par la politique. Hein. Euh, ce qu'on attend de Trump, c'est du leadership et de l'initiative. Hein. Dans les sondages sortis des urnes, c'est tout à fait clair. Donc en fait, il y a Trump parlant aux électeurs et Trump parlant à l'économie. Et est-ce que tout ça s'est emboîté correctement C'est pas certain. Trump parlant aux électeurs, ça va être la question de l'immigration qui va être première. Ouais. Il y a 12 millions d'immigrants en situation irrégulière aux États-Unis, quel va être leur sort Voilà. Et je pense que dans le sentiment que les choses vont pas bien, il y a eu un le coup de projecteur sur la question de l'immigration que on va avoir une réaction sans doute rapide. Ouais. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans les premières nominations la question de l'immigration était sur le, le tsar t'sa t'sa des, bo t'sa 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 des border des frontières qui a été nommé voilà. et Trump l'a répété après l'élection. Il n'y a pas de price tag sur ce projet de renversement du flux migratoire. Il n'y a pas d'étiquette à vendre. Ça n'est pas un projet négociable. Voilà. Donc, on a ça, mais là, très vite, on bascule sur l'économie. Ouais. Il y a 12 millions de travailleurs immigrés en, quoi, 12 millions immigrés en situation irrégulière, dont beaucoup travaillent, je sais pas, 7 ou 8 millions au moins, face à un chômage aujourd'hui qui est de 4%. Ouais. Euh, vous avez quand même là déjà un premier couac dans le système économique. Euh, vous voulez créer de la croissance peut-être par la déréglementation, peut-être par les baisses d'impôts, mais il faut être capable de créer cette croissance et le, ce qu'on voit sur le marché du travail ne pourra pas complètement le créer. Donc, donc ça, il y a une première difficulté. Donc, donc en fait, euh, voir les choses euh, côté demande, la baisse de la, de la fiscalité par exemple, bah, ça vient vite buter sur la question offre. La déréglementation, oui, ça, On peut le faire. Bon, il n'empêche que euh, exactement quelles, sont, quelles vont être les conséquences macroéconomiques de la déréglementation, bah, c'est compliqué à dire. Alors, les conséquences de moyen terme, on pourrait dire, bon, bah, ça va pousser à une concentration, et donc euh, on va peut-être avoir de la création, d'une part, voilà, des, hein, des animal spirits, mmh. mais, mais d'un autre côté, bon, ça va renforcer les gros joueurs dans un certain nombre de secteurs, voir la, la synthèse de tout ça. C'est compliqué. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un coup de chapeau aujourd'hui. On a envie de rêver au caractère vertueux du oui. programme de Trump, en bah. sachant que c'est pas vertueux, parce que quand vous mettez l'immigration, quand vous mettez les droits de douane, tout ça, c'est inflationniste sur un terrain qui s'est bien calmé, mais qui n'est pas encore complètement stabilisé. Les chiffres du jour des prix à la consommation le rappellent. Donc, en fait, le moyen terme, on a envie de dire... Que si Trump va au bout de son programme, mais peut-être qu'il n'ira pas au bout de son programme. Hein, donc, donc ça, faut être bien prudent avec le sujet. Eh bien, on aurait plutôt plus d'inflation, moins de croissance, ouais. et, et, et ça va un peu à, à l'encontre de ce que l'on de l'histoire qu'on a envie de raconter donc pour moi c'est pas une histoire c'est un coup de chapeau quant euh, à monsieur musk oui. donc euh, son rôle de remettre de l'ordre dans les dépenses de la fédération américaine faut, faut bien voir que les dépenses de la fédération américaine il hein, y a des dépenses obligatoires qui sont plein de dépenses sociales et euh, Musk ou pas, Trump ou pas, ça va être drôlement difficile de vendre aux Américains euh, l'assurance santé. Euh, bah, on coupe. Je, Trump, euh, Trump n'a jamais enlevé euh, Obamacare ou euh, tous ces sujets-là, comme tu... il le promettait dans la, la, la première version de son mandat. Et la retraite publique de base, on reviendra pas ouais, non plus. Donc après, il faudrait s'attaquer aux autres dépenses. Discrétionnaire dans les dépenses discrétionnaires, il y a de l'investissement, il y a des dépenses de défense. Les dépenses de, l de défense, on les touchera pas dans le contexte actuel. Et les dépenses d'investissement, là, on, on peut faire un choix, aider certains, ne pas le faire mm -hmm. avec d'autres. Mais en fait, euh, Musk, il va quand même être sur un terrain où sa marge de manœuvre va être extrêmement faible. Donc euh, oui. voilà, moi je. D'autant plus faible qu'il sera peut-être obligé, quand même, de ouais, se sortir mais... de certains dossiers avec le nombre de conflits d'intérêts qu'il va y avoir. Enfin, je veux dire, il va, il va piloter la dérégulation ah oui, ça... ou des coupes budgétaires dans des administrations qui sont ses autorités capitales oui, oui, pour cette clair. activité, que ce soit chez oui. Tesla, chez SpaceX, etc. Ça, hein. bon, enfin, enfin, en ça, hein, hein. ça va être un ah, sac de nœuds, ouais. pas possible. Quoi. Ouais, ouais. On est quand même dans un cadre américain. Institutionnel assez fort, donc il va vouloir agir par ordonnance, c'est oui. vrai, pour aller plus mm -hmm. vite que passer par, par la loi. Mais quand même, on est dans un pays où le poids du juridique est très fort, et, et donc il, il, il va se prendre des procès partout. Alors après, il y a le temps du droit qui est un temps assez long, mais, mais il y aura des contestations ah, ça, de, de tout, oui. et, et donc sur l'ambiance et donc sur sa marge de manœuvre. Politique, voilà c'est pas c'est pas c'est pas évident ok Eric non je, je crois que c'est vraiment un découpage temporel si s'il arrive à maintenir cette illusion enfin ou le, le cette la, c est, c est, oui. cercle vertueux que j'ai essayé d'évoquer suffisamment longtemps ça peut fonctionner dire peu importe la marge d'Elon Musk, le fait que Elon Musk soit nommé, mais c'est juste hallucinant. On aurait dit ça il y a deux mois. Tu m'as dit mais tes voilà, bah, il y a deux mois on commençait à voilà. le voir, mais il y a non, six mais... mois oui, où, euh, oui. En fait, c'est oui. que des symboles. Enfin, c'est que des. Euh, je, je crois qu'on réalise, enfin, tel que je me trompe, enfin, je. Mais mais je crois que c'est la puissance des, des symboles, des attentes. Alors, faut que ça délivre très vite. Mais peu importe, si c'est business et que ça fonctionne. On mettra de côté tout ça, sauf si ça marche pas, et là, là, ça sera... Et le retour de bâton. Violent, violent. Quand même. violent. Ouais, ouais. Voilà. C'est juste que, euh, pour moi, un risque important. Ouais. Bon. Ça va poser un certain nombre de sujets pour la réserve fédérale américaine également, j'imagine, oui, Benoît, et les autres banques centrales par voie de conséquence. Le, le marché s'est déjà quand même bien réajusté sur le, le, le chemin, la vitesse de baisse de taux de la réserve fédérale américaine. Le marché voit un taux d'arrivée autour de 4% désormais, ce qui est quand même une correction assez notable par rapport à un moment où on devait voir peut-être 3% pour le taux d'arrivée américain. Oui, le, le, alors le rôle de la réserve fédérale, il n'a pas été simple ces derniers mois parce que sous pression de l'arrivée de ces élections, on peut se poser la question hein, de l'intérêt de, de, des premières baisses de taux directeurs euh, dans un environnement où l'inflation n'était pas totalement jugulée, où le taux de chômage ne remontait pas encore clairement. Euh, et je pense qu'il y avait quand même cette pression électorale hein, et faire monter le taux de chômage juste avant les élections il n'y aurait pas eu cette élection le 5 novembre 2024, c'était pas évident que la FED fasse 50 points de base le 18 septembre, suivi de 25 euh, la réunion suivante le 7 novembre et probablement que l'économie ne plaidait pas en faveur de temps de, 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 de mouvement de, de, de la Réserve fédérale euh, même chose pour la prochaine réunion euh, ça va être difficile je pense pour la Réserve fédérale euh, de passer son tour elle peut ouais. le faire mais ce sera pas simple malgré tout. Euh, Pourquoi et est... Elle s'est engagée et elle, pour une question de crédibilité, ce serait dur pour elle de pas refaire encore 25 points de base en oui, décembre. Oui, et puis de, je pense aussi de polluer le débat politique et, et d'amener à des décisions politiques encore plus jusqu'au boutiste, qui ne ferait que compliquer ce, bah, ce sujet de, de terreau inflationniste qui est pas totalement éteint et qui peut se raviver. Euh, à très rapidement si euh, un certain nombre de décisions sont prises. Donc, euh, je pense qu'ils sont dans une, dans une période vraiment compliquée. Le marché l'a compris. Hein, et comme vous le disiez, il s'est réajusté. Ouais. Euh, il a bien compris que ce qu'on anticipait, hein, on, a, on a anticipé successivement, euh, mois après mois, des, des, des cycles de baisse de taux de directeur qu'on n'a jamais vraiment eu et, et qu'on n'aura peut-être jamais vraiment euh, à ce point-là. Euh, donc, je pense que ça va. Euh, et, et je pense qu'il faut attendre vraiment euh, l'arrivée au pouvoir de Trump pour mmh. qu'elle revienne à une politique probablement un peu plus... Euh, Strict ou en tout cas stable euh, dans ces niveaux de taux directeurs. Du côté de la BCE, je dirais que le sujet il est complètement différent. Ouais. Euh, là, je pense qu'il y a beaucoup moins de débats euh, et qu'il euh, y a encore peu de temps, la, la, la Banque Centrale Européenne regardait euh, le niveau de l'euro dollar en se disant Je ne veux pas d'inflation importée, ce n'est pas le moment. Euh, à mon avis, ce débat est terminé. Ça devient secondaire, là. Euh, Je pense que ça devient secondaire et c'est même peut-être une petite. Euh, bouffée d'air pour les entreprises européennes dans un monde un peu plus protectionnisme, en tout cas à court terme. Euh, et, puis, et puis on voit bien que la croissance est poussive euh, et qu'il faut faire absolument quelque chose face à, à des politiques qui sont forcément en zone euro en ordre dispersé, comme d'habitude, euh, et qui doivent se battre avec un gouvernement américain qui, lui, arrive uni et avec les pleins pouvoirs. Euh, on a le, le, la seule autorité en zone euro qui est unique, c'est bien la Banque centrale. Donc c'est la seule, encore une fois, qui peut agir vite. Et en faire première choses ouais. mais si j'entends bien, sous Trump, on va avoir ça implique une réserve fédérale américaine sans doute moins accommodante que ce qu'on imaginait ou que ce qu'on aurait pu euh, avoir. Alors qu'à l'inverse, ça impliquerait pour la BCE d'être euh, plus rapide, plus accommodante que ce qu'elle prévoit peut-être euh, d'être euh, aujourd'hui. En tout cas, ça a changé. Euh... Le chemin à suivre du côté de la Fed, ça l'a clairement réduit, ce chemin de baisse des taux directeurs. Et pour le moment, ça ne change pas le mouvement de baisse des taux directeurs de la BCE. Ouais. Et quand on regarde l'euro dollar, clairement, ouais. on, en a pris, on en a pris conscience. Ça peut nous amener à la parité euro dollar, ça, Hervé Si on extrapole un peu ces bah, si. tendances, si on a moins de remonter des taux américains que ce qu'on pensait. Peut-être <laughs> oui. pas alors. Euh, mais moi, moi ce que j'aurais envie de dire sur la, la Banque Centrale Américaine, il suffit de regarder euh, un taux à 10 ans américain trésor public. Par rapport au point bas de septembre, on a fait plus 80 centimes. Okay. C'est quand même beaucoup. Il y a un peu d'inflation là-dedans. Il y a 30 centimes à peu près okay. d'inflation. Okay. Ce qui veut bien dire qu'on est dans un environnement où sur les prix, on se méfie un peu. Il y a euh, de hmm, primes de terme. Donc en fait, de mouvements attendus de taux court demain. On a pris 40 centimes. D'accord. Et sur le taux réel, on a pris 10 centimes. Donc en fait, le... Regard du marché obligataire sur Trump, il est assez pessimiste et il est assez orthogonal par rapport mmh. à celui des actions. Des actions il oui. nous dit en termes de croissance, rien ou à peu près rien. En termes d'inflation, on aura et la Banque centrale sera obligée d'agir. Et, et moi, je trouve que le regard du marché obligataire est, est plus sage que le regard du marché action. Et en même temps, la volatilité obligataire... Ouais est quand même assez haute contrairement à une volatilité action qui est très basse et là encore la volatilité obligataire elle est synchrone avec un risque politique qui a augmenté avec un risque géopolitique qui a augmenté donc il y a un environnement allez macro macro réel macro financier qui est assez cohérent et qui rend prudent et puis d'un autre côté il y a un environnement plus micro où on est un peu comme Perrette et son potolet mmh. quoi où on espère des tas de trucs en, en faisant oui. attention que tout ça ne tombe pas par terre quoi. Euh, et, et est on en est un ça, peu là oui, oui. Donc, donc en fait sur les taux américains oui je suis d'accord la Fed avant qu'on lui torde éventuellement ouais. le bras parce que ça on n'en sait rien euh, et on ne sait pas bien quel sort sera réservé à Jérôme Powell quoi en gros, est-ce qu'on va le pousser à démissionner ou pas C'est cette question. Il perdrait euh... son meilleur ennemi, euh, Donald Trump. Oui, oui. Non, mais je pense que des, des ennemis, il en a beaucoup. Oui, mais là, c'est quand en, même il en, euh, il en retrouvera. le bouc émissaire facile. Quoi. Euh, mais <laughs> donc, donc, en fait, c'est vrai qu'elle est forcée d'être prudente. Ouais. Et donc, euh, le marché de taux a bien raison de revoir à la baisse euh, le, le nombre de... Et de, nous, en Europe, de, on va s'aligner sur devant. cette prudence de la Fed non. Ben, Ou est-ce qu'on va continuer à minima ce qu'on a prévu, voire euh, un peu plus Moi, je trouve que la BCE, aujourd'hui... Enfin, on, on avait déjà eu un écart important par rapport à la pensée bundesbankienne mmh. avec Draghi. Mais aujourd'hui, avec euh, Christine Lagarde, en le montrant pas, mais mmh. on a quand même un écart assez incroyable. L'inflation, elle n'est pas sur la cible. Vous prenez le noyau dur, on est à plus de 3%. Et, et en fait... La BCE nous dit « mieux. j'ai des modèles qui nous disent que l'inflation va rentrer dans le rang ». Alors, elle sait que c'est du côté des services que ça va pas. On est à plus 4%. Mais elle dit « Moi, mes modèles me disent que les services vont vite oui. revenir vers oui. 2%. Oui. Donc, on y est ». Et ça, ce n'est enfin, pas l'inflation observée. C'est l'idée qu'elle se fait de l'inflation possiblement demain. Mais on pourrait avoir d'autres idées et dire que c'est pas le cas. Donc, en fait, oui, aujourd'hui, elle pilote l'activité. Euh, donc pas, il y a 10 ans, la BCE n'aurait pas agi de la même manière. Ah si non, on avait pris la BCE il y a 10 ans, ah de là, elle, le trichet, pas, on n'aurait pas eu ces 25 points de base ça. avant la Fed, non. etc. Et, et donc, sur l'activité... Évidemment, elle est inquiète. C'était déjà pas fameux avant, même si le troisième trimestre a plutôt été une bonne surprise en termes de croissance. Donc, on pourrait avoir le sentiment que ça va un peu mieux. Le PMI d'octobre du secteur manufacturier était un peu moins. Un petit mauvais souffle cyclique, hum, mais, conjoncturel mais, mais, porteur. Il n'empêche que euh, face aux enjeux ou aux interrogations l'on a, euh, on craint pour la croissance à juste titre. On craint pour la croissance et, et donc, ben, elle, elle s'est créé son nouveau mandat, si j'ose dire, un peu toute seule. Hein. C'est pas, c'est pas complètement dans le débat démocratique. C'est pas dans les textes européens tout ça. Mais, mais voilà, elle le fait. Donc, elle va continuer à le faire. Aller jusqu'à 2 ce qui doit être à peu près les anticipations ouais. de marché, c'est peut-être gonflé, mmh. c'est peut-être gonflé. Donc à mon avis, comme aux États-Unis, on reverra à la hausse, mais pour le moment, voilà, elle est comme ça. On a euh, des grandes euh, banques qui sont à moins de 2 sur le taux terminal de dépôt de la BCE euh, fin 2025. Des ouais, ouais, oui. grandes banques qui visent ouais. 1,50. Hein. Ouais. Plus la BCE, Donc, moins la BCE ira vite, plus ouais. elle attendra, ouais. plus certains estiment qu'elle devra en faire, ouais. Euh, ouais. En ouais. faire beaucoup plus. Ouais. C'est toujours un peu le, le ouais. problème de ces fonctions de réaction. Euh, d'une banque centrale européenne, en l'occurrence. – le, Les faits sont têtus, tout au moins, les prix sont têtus, et un <laughs> jour, ils vont quand même être face à nous. Ouais. – Mais, mais je, je pense que ça a quand même changé pour la BCE, et que euh, ça met une pression un peu plus sur la BCE pour baisser encore plus vite, ou, ou, ou plus longtemps, enfin, comme on veut, euh, c'est tôt, parce que euh, ce qu'on n'a pas en croissance, euh, on, on l'a en fraîche financier, donc… Euh, comme On ne peut pas dynamiser la croissance parce que bah, on est empêtré par plein de trucs. Euh, la, le seul levier qu'on a, c'est les frais financiers. Enfin, J'ai discuté encore avec des, des PME. Enfin, ouais. ils, ils, ont, ils ont une demande, mais ils sont égorgés parce que les banques ne peuvent pas suivre ou veulent pas suivre, enfin, peu importe. Et les, les coûts financiers sont importants. Donc, le, le seul levier qu'on a, mmh. c'est accommoder. Si, voilà. Appuyer peut-être un peu plus qu'on aurait dû il y a quelques temps, enfin qu'on l'aurait fait il y a quelques temps, mais c'est notre Trump à nous, c'est voilà, la garde, c'est dire ah, Allez, il faut. C'est <laughs> pour l'instant la première ligne de défense. Voilà. Bah, ou ou d'attaque, Il ne faut pas être négatif, mais, mais d'appuyer et d'avoir une volonté européenne de faire quelque chose. C'est pour ça que ce n'est pas de défense. Je, je fui le oui. dossier. Allez, on va. Euh, et ça peut être un signe. Euh, encore une fois, euh, si c'est bien vendu, euh, là aussi, c'est un signe psychologique. Que, ok, on s'en prend plein partout, euh, c'est Trump, Trump, Trump. Eh ben nous, on, on va essayer de prendre la main sur. Euh, Moi, j'ai vu les taux. J'ai vu cours. deux excellentes nouvelles en provenance de l'Europe. Je, je guette maintenant les bonnes nouvelles. Je ne regarde plus que les bonnes <laughs> nouvelles en provenance <laughs> de l'Europe. Non, il y a. Hier a été annoncé, donc dans la foulée du, du sommet européen qui se tenait en fin de semaine euh, dernière, Bruxelles autorise, va autoriser et va donner de la flexibilité pour l'utilisation, alors d'un fonds de cohésion, des fonds de cohésion européens qui sont distribués aux différents États membres, qui sont euh, généralement des montants euh, dédiés à la résorption des inégalités dans les différents pays. Il y avait euh, plus de 390 milliards d'euros de fonds de cohésion sur la période 2021-2027 qui sont budgétisés euh, par l'Europe. Et euh, encore à, à allouer aux États, seuls 5% des montants ont été alloués. Bruxelles a dit on va pouvoir réorienter ces fonds vers euh, du financement de la défense, du financement de l'industrie, euh, de l'industrie de défense dans les différents euh, États. On verra jusqu'où ça peut aller. Mais c'est quand même déjà une flexibilité énorme qui est utilisée par Bruxelles, qui montre que à la fois il y a des ressources et qu'il suffit d'avoir la volonté de les employer au, au bon endroit. L'autre excellente nouvelle, selon moi, c'est le calendrier allemand qui s'accélère. C'est-à-dire que peut-être que le 23 février, on aura autre chose que simplement la BCE pour agir en première ligne. Peut-être hein qu'on aura un paysage politique allemand plus allant plus constructif plus notamment sur la partie budgétaire et, et, et fiscale et donc plus en soutien également de, de la réponse européenne face, face à l'administration trump. Qu'est-ce que vous en dites, Benoît ben Déjà que c'est bien de regarder. Je les suis bonnes... trop optimiste. Non, mais <laughs> déjà, c'est bien de regarder les bonnes nouvelles et de nous les annoncer. Parce que pas... Elle n'a pas été euh, plus. Euh... Ah, les fonds de cohésion, ouais, c'est est... un peu passé sous le radar, mais c'est beaucoup d'argent quand même. Mais, hein. mais c'est vrai que euh, ce n'est pas une question de moyens en zone euro. Euh, c'est vraiment une question de cohésion et d'organisation. Euh, et malheureusement, pour le moment, dans ce moment, hein, on voit bien qu'il y a deux temps hein, dans, dans l'esprit. Il y a un premier temps où on est clairement challengé à l'international par les US. Euh, notre zone européenne, mais aussi en interne. Les élections anticipées en Allemagne sont un, un, un autre exemple en interne. Donc on a cette période de réorganisation. Alors effectivement, toute la question, c'est est-ce que ça nous permet un sursaut européen qui, à un moment donné, mais on voit bien que ça, c'est un temps un peu plus long, hein, euh, nous permet de, de réagir et, et, de, et de se réorganiser. Hein. On a les moyens financiers. C'est une question de volonté de les, de les libérer, de les libérer suffisamment vite. On a eu l'épisode de l'Ira aux États-Unis euh, et face à, à, face à ça, l'Europe a réagi, mais toujours pareil, en mettant les moyens, mais en les déployant pas suffisamment vite. Euh, donc c'est toujours ce problème-là. Est-ce euh, que ce, ce, ce nouvel avertissement, qui est quand même très fort hein, du côté américain, est suffisant pour déclencher un sursaut Je pense que ça va prendre du temps encore, malheureusement. Hein. Et, et, et ce qu'on se dit tout à l'heure, c'est qu'on a au moins cette banque centrale européenne qui est encore là. Alors bon. on peut le déplorer parce que c'est exactement le même épisode que l'épisode Draghi. On revient sur ces mêmes sujets, c'est-à-dire qu'on a une banque centrale qui est capable d'agir à un moment oui. donné. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui. Il faudrait qu'on ait plus. Mais qui doit endosser effectivement la charge, toute la charge sur ses épaules à Exactement. Fois. Oui. Mais, mais voilà, mais on a, on a vraiment ce sujet politique, mais on a aussi un sujet de défense euh, qui doivent petit à petit se mettre en place. Euh, plutôt le sentiment que ça va prendre du temps encore. Euh, ces ah. sujets-là, ouais. Hervé, sur la réponse ouais. de l'Europe, là et mes bonnes nouvelles. Bah écoutez, <laughs> excusez-moi d'être désagréable, oh. voilà. mais moi ouais. j'ai l'impression que les bonnes nouvelles ne sont pas aussi bonnes que ça. Ah. D'abord, sur les fonds structurels, euh, c'est vrai que traditionnellement on les dépense peu, donc euh, on est encore dans ce cadre-là. J'ai entendu, entendu une remarque d'une observatrice qui, qui m'expliquait. Certains pays en Europe ne sont pas aussi bons que d'autres pour dépenser mmh, les fonds qui leur sont euh, les accordés. <laughs> les Il y a ceux qui savent dépenser ceux qui savent moins bien dépenser. Ils sont plutôt alloués aux... Les moins riches de l'Union européenne, certes, et donc certes. si vous voulez les flécher certes. vers l'industrie de défense, vous allez les flécher vers les gros pays européens pour certes. beaucoup. Vous allez les flécher vers l'Allemagne, vers la France, pas parfait en partie d'accord, vers ouais, l'Italie. Ouais, et donc, les, eux autres, eux ont les autres vont <laughs> hurler, et, et donc, oui. en termes de cohésion, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà, moi, moi je veux juste te dire que c'est pas parfait. Euh, L'exécution va pas être simple maintenant. L'Allemagne, alors. La situation politique était bloquée, on la débloque. Néanmoins, on est face à deux obstacles devant. D'abord, extrême droite et extrême gauche vont faire 30% des résultats, et comme c'est un scrutin largement proportionnel, quoi même propor doublement proportionnel plutôt, eh ben ça va se voir euh, au Bundestag. Et deuxièmement, la CDU de Monsieur Merz, donc Monsieur Merz, ouais. futur chancelier, yes, ouais. d'au 30% 30%. Hein. – Elle aussi. Euh, – 35. – 35. Euh, – Oui, entre 30 et 30 ouais, 35, ouais, ouais. selon les, les, sous, les, et... les, les oui. sondages. Mais, mais en, en fait, avec Trump aux États-Unis, Mers, qui est plutôt de la droite de la démocratie chrétienne allemande, va avoir, je pense, un discours assez euh, droitier. Donc en fait, bah, ça va plutôt pas mal marcher avec une France qui est un peu à droite, avec une Italie qui est un peu à droite, des Pays-Bas qui sont assez à droite aussi, et, et donc on va avoir politiquement euh, je dirais plutôt pas un virage, mais une translation vers la droite au Parlement européen. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on peut imaginer que la majorité de rechange qui existe, hein, aujourd'hui on a une union entre le centre-gauche, le centre... C'est le bloc le central, central, toujours le bloc central. Mais en fait, le le ppe le parti populaire européen l'expression à bruxelles de la démocratie chrétienne allemande pourrait très bien s'allier avec la droite dure quoi est ce qu'on va avoir ça? Moi, moi je pense que c'est n'est pas une hypothèse à oublier. donc on aurait cela donc on s'entendrait mieux politiquement avec les états unis donc on ferait plus ami ami très bien mais dans ce cas là l'idée d'aller plus loin dans l'intégration européenne, l'idée d'aller plus loin dans l'intégration euh, de la défense comprends. européenne, ça ne se fera pas. Et donc, on aura un hiatus entre politique et économique peut-être encore plus grand que celui que l'on a aujourd'hui. Et donc, bah, je trouve que quand on tire le fil, je ne suis pas sûr que ça soit bien. Quoi. Optiquement, on dira l'alliance occidentale est confirmée, et renforcée. Mais, mais dans la réalité... D'une Europe capable de se prendre en main. Moi, voilà, j'ai quelques doutes. Et, et donc, voilà, les, les nouvelles que je lis, voilà, peut-être que je suis grincheux, mais. Oh euh, voilà. non, non, mais on a <laughs> je, tous je le droit d'être déjà Hervé. <laughs> je, 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 je peux pêcher par excès d'optimisme sur l'Europe, notamment, il n'y a, a pas de doute euh, là-dessus. Mais vous dites effectivement, euh, attention, une Europe. De la droite ou des droites ne euh, serait pas forcément une incitation énorme à, euh, à une autonomie stratégique vis-à-vis d'une administration Trump, euh, par exemple. Voilà. ouais oui. Ouais, Eric bon, On est un peu dans la spéculation. Bah, alors, là, on je ne sais pas. pas marcher, mais, hein, mais, mais euh, euh... Je voudrais juste dire que c'est une bonne nouvelle de réalisme politique. Le, et par contre... Et je me suis dit qu'il n'y en avait pas d'autres. Enfin, attendre je... jusqu'en septembre, je ne vois pas ce que ça apportait de mieux oui, non, mais plutôt non, mais que mais, d'avoir un calendrier accéléré. C'est mieux que quoi. rien, mais, mais je trouve ça très bien. Sauf que c'est une réponse budgétaire, en fait. Mais c'est tellement symbolique, en fait. Ce n'est pas une réponse budgétaire dont on a besoin. C'est bien de l'avoir... Euh, ça peut que... aider, surtout quand un non, pays comme l'Allemagne se porte trop bien, du point de vue budgétaire. Je pense que... Il faudrait qu'on ait une réponse qui ne soit pas budgétaire, à la keynésienne. Enfin, on a besoin de réformer complètement le, le circuit économique européen, tout simplement. Enfin, alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais c'était juste. Oui J'aimais le symbole. C'est plus facile oh, de le faire. Nous, on en redondant un peu par, les choses. À ah, bah, un on peu d'accommodement par... oui, budgétaire, ça aide aussi parfois <laughs> euh, ai pas euh... le chemin des vu. réformes. Hein. Ouais, ouais. Effectivement. Ah. Hein. Merck <laughs> n'a rien promis. Ah non. <laughs> non, non, non Non, mais d'ailleurs, le marché a, a brièvement interprété l'annonce la, 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 d'une nouvelle élection comme étant euh, l'Allemagne va ouvrir les vannes budgétaires. On verra. Je pense que tout est un degré différent peut-être en Allemagne de ce point de vue. Ça va dans le bon sens. Ouais. Bon, sur les marchés, donc euh, bon, actifs américains, faut pas trop s'en éloigner. Si j'ai bien compris, en tout cas, le momentum est là, il faut pas le renier euh, totalement. Euh, il est là, il est euh, probablement bon jusqu'à la fin de l'année, hein, ouais. parce que tout le monde y aura intérêt. En Europe, c'est clairement plus compliqué à court terme, mais il faut trouver euh, dans ces marchés les acteurs qui peuvent bénéficier quand même de ce moment américain. Euh, ce qui On parle est, de quoi Ce alors qui n'est jamais simple. Alors, je vais le d'attirer euh, Ben, bah, Par ricochet, ça peut l'être, la bonne surprise. Hein. Euh, ce qui n'est pas toujours facile à, à, à anticiper. Et, et là, la difficulté, c'est que tant qu'on n'a pas le président aux manettes, euh, c'est vraiment de l'anticipation d'une potentielle décision qui n'est pas prise. Ouais. Donc, ce n'est pas évident. Mais euh, donc, marché européen à court terme, un peu plus sous pression, ça, c'est évident. Euh, on voit bien qu'ensuite, les choses vont, vont se dérouler différemment, euh, puisqu'on est bien dans un cycle de baisse des taux directeurs en zone euro. Bah, ça reste favorable au marché actions, tout simplement. Mmh. Et donc, on pourra bénéficier de ce mouvement-là dans un deuxième temps, une fois que cet effet US victoire électorale est passé. Ça, c'est, je pense qu'on le retrouvera, mais probablement dans un deuxième temps, plutôt en début d'année prochaine, une fois cette période un peu passée. Et puis, sur les marchés obligataires, je dirais que bah, la bonne nouvelle, c'est que on a des taux monétaires qui restent favorables, qui vont baisser mais qui restent favorables, et puis on a un marché obligataire qui Restait au final à des niveaux de taux relativement attractifs, ouais, ouais. alors aux États-Unis, clairement, et en zone euro aussi. Et donc, ça ça permet d'avoir des portefeuilles assez équilibrés, euh, se donner un peu de temps pour bénéficier d'un potentiel sur les marches actions, alors US à court terme, zone euro dans un deuxième temps, et puis euh, capitaliser euh, sur du rendement très attractif, sur des obligations de très bonne catégorie. Ça, ça reste du fonds de portefeuille. Ça continue. Euh, on est encore dans cet univers là, et ce bon. moment obligataire. Euh... Peut-être d'une génération, j'en sais rien, mais oui, euh, non, clairement, ouais, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Ouais, ouais. Les actifs émergents dans ce contexte plus challengés pour le moment à court terme, ouais. euh, mais, mais là aussi, il faudra regarder dans un deuxième temps parce que ouais. il va y avoir, on va retrouver des bonnes affaires à ouais. un moment donné. Hein. Il y a la première intention, enfin la, la mmh. première réaction de marché, et puis euh, effectivement, ce qui peut se passer euh, derrière euh, derrière l'intégration de la vague rouge, euh, la vague républicaine, j'entends euh, dans les marchés. Sur la logique d'investissement qui vous anime aujourd'hui, Eric. Ah, du call. Autant, là, c'est une colle. Autant, à chaque fois, je peux trouver quelque chose, mais là, là, je, en fait, j'achète pas les accidents. Il d'accord, on dans ceux qui moi ouais. il y a très longtemps. Voilà, j'achète okay. toujours les accidents. Okay. Là, j'arrête. D'accord. Je, je sors mon épuisette de toutes les small euh, européennes qui. Euh, c'est du grand n'importe quoi. Donc je mets des épuisettes euh, en disant. Euh, et puis c'est logique parce que je pense que de toute façon on est condamné à une baisse de taux, mais drastique de chez Drastique. Donc euh, ça viendra. Mais pour l'instant. D'accord. Donc les seules choses c'est que je vais un peu à la pêche avec mes épuisettes. Je vais chercher quelques dossiers que je connais bien et ouais, qui sont tellement massacrés. Je renforce l'or qui a. Qui, bah, je ne sais pas pourquoi, mais bon, enfin euh, bref, il y a eu quand même. Euh, un rallye hein oui. <laughs> oui, oui, non, mais il y a eu, y a eu une, une réaction assez violente, quand même, une ouais. correction ouais. assez violente. Mais, oui, oui, parce que On est tombé soit 2006, les scénarios je le scénario, j'y gagne. D'accord. Euh, voilà, mais c'est du très court terme. Ouais. Euh, c'est un reste, actif de momentum, là. Ouais, euh, je suis que dans le momentum, comme un Trump. Enfin, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Je, je suis incapable de, de créer une stratégie à moyen terme. Ouais. J'attends. Ouais. Voilà. Bon, mais comme disait euh, Jérôme Poel, hein, Alors, pour la, la Fed, on ne spécule pas, on, euh, on anticipe pas, euh, on ne fait pas d'hypothèse. On attend de voir. C'est trop... Oui, oui, ouais, non, mais sur la logique de marché, euh, bon, le, le dollar roi, euh, les actions américaines, je vois, la prime de risque des actions américaines est négative, toujours plus euh, négative, quand même. Moi, je voudrais, je voudrais revenir Arrêtez. sur l'histoire des taux longs. Et ce que ça veut dire sur les marchés actions. Parce que vous avez deux régimes. Soit les taux longs montent et les actions montent. C'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui. Soit les taux longs montent et les actions baissent. Et, et en fait, tout ça, ça dépend si euh, les taux longs, ils montent à cause de l'inflation ou ils montent à cause des taux réels, de la croissance. Et aujourd'hui, au moins aux États-Unis, c'est plutôt une histoire d'inflation que de croissance. Et, et donc, moi, je dis qu'on a aujourd'hui un hiatus qu'on peut interpréter par le coup de chapeau à Trump et aux au rêves qu'il nous donne, hein, puis on aime bien rêver. Mais, mais voilà, il y a un message tout de même que je trouve gênant. Ouais, ouais. Et, et donc ouais. à ce titre-là, moi je reviens, j'extrapolerai pas trop. Après, il y a un autre élément à, à prendre en compte dans la baisse de l'or récente après un joli parcours haussier. En même temps, on a le Bitcoin qui fait des siennes. Ah bah... hein, et, 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 et en fait, on a parce que les, les cryptos euh, Actifs Actifs. En fait, au début, on nous les a présentés comme des monnaies. Maintenant, on nous les présente un peu comme des actifs de réserve qui pourraient remplacer l'or. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, bon, peut-être qu'il y aura un coup de main donné par l'administration. L administration Trump à ses crypto actifs, voilà quoi. Or, crypto actifs, quel arbitrage on a C'est pas très clair pour moi. Il vaut mieux du Bitcoin que de l'or dans, dans ce cadre-là, ouais, c'est clair. Voilà, enfin, voilà. Mais, pour, mais, pour moi, mais... l'or, mon c'est le Bitcoin, ça c'est clair. Mais ça clair. ne me paraît pas devoir être durable. Quoi. Moi, les crypto actifs, j'ai plutôt tendance à me méfier, peut-être à tort. Hein. Mm. Mais, mais donc voilà. Mais il y, y a un mouvement entre les deux que je trouve assez intéressant aujourd'hui. Sur les taux, c'est le retour des bandes vigilantes, comme on dit. Des, 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 des vigilantes. C'est le retour des, 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 de la vigilance obligataire vis-à-vis ah ben, euh... -vis de l'exceptionnalisme américain. Ah ouais, euh, je... C'est possible que la vigilance tard, du marché aura. obligataire s'exprime sur, sur de la dette américaine. Tôt ou tard, on ouais. l'aura. On l'aura parce que, parce que la politique de Trump sera inflationniste et on l'aura parce que comme il tape sur les autres... Il faudrait que la situation soit très, très mauvaise ailleurs dans le monde pour que, en même temps qu'on se fait taper dessus, on, on aille mettre les sous là-bas. C'est possible, mais c'est pas certain. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé goulet -Ker, senior economic advisor d'Accuracy, Benoît Vesco, le président de Delubac Asset Management et Éric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance.